Oh shit, je crois il m'a vu. Non ! Non ! Non ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Veneficium. Donc c'est un jeu d'horreur sur Steam, il est gratuit. Donc je vous invite à le tester si ça vous intéresse. Donc on va lancer, c'est parti. Dans le village de White Grove, la noirceur de la nuit est crainte, tandis que la lumière du jour est vénérée. Certains cependant préfèrent idolâtrer les dons de la nature plutôt que Dogma, l'entité invisible portant le titre d'avatar de la lumière. Ces dernières sont des sorcières, et dans les yeux des partisans de Dogma, elles ne sont rien de plus que des poussières sur le sol. Elles devaient être anéanties, ainsi la chasse aux sorcières débuta. Oula, ça va brûler des sorcières là. They burned our coven. My family. And for what? Because we looked to the green ground instead of worshipping the blinding sun? And when they came for my grandfather, the only family I have left, I watched my sisters perish. And I listened to their screams. Il a l'air incroyable le jeu. I answered the coven's call for revenge. They will all die for what they did to us. You will burn under the god's eye. Abigail! No! Grandma! Ok, j'ai l'impression que le jeu commence. En tout cas, c'était grave stylé l'intro, j'ai bien aimé. Curse you, Walden. We were so close. Ouais, si proche de vous enfuir, mais votre grand-mère est morte, madame. Ok. Ok, donc on commence dans une forêt. Petit tutoriel classique. Qu'est-ce que c'est, des lucioles ça? Ah, on peut récolter. Les ingrédients entourés de lucioles dans la forêt. D'accord. Oula! Ah oui, rite satanique là. Shinzo, ça récupère des cœurs. Oh là, regardez, c'est horrible. Des têtes sur un piquet. J'entends des gens en colère. Est-ce que c'est des villageois ou c'est des gros démons? Oh shit. Il y en a qui sont en train de se faire grailler, les mecs. J'ai appuyé sur A, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, tab, le grimoire de Willow. Alors, cœur, intestin, donc c'est miroir image. Ok, c'est un appât distrayant afin d'échapper à l'ennemi. Ok, j'aurais pas dû le gaspiller maintenant. Ok, on peut passer inaperçu. D'accord, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On récupère des objets pour s'esquiver en gros. Ah, là il y a des choses. Tu vas brûler pour... Ok, c'est tout proche, hein. Malheureusement, je vois pas grand chose. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Une flèche. C'est Daryl Dixon qui est passé par là. Encore un cœur. Donc, apparemment, j'ai un sort qui permet de faire un appât, un leurre. Et un autre sort qui permet de me dissimuler. Donc, on va voir. Hein. Je vais fail au début, je vous le dis de suite. Hein. C'est assez bizarre. Alors, on avance. Pour l'instant, c'est du loot. Hein. C'est un jeu d'horreur de loot. Hein. Ça part sur une vengeance ou sur une cueillette? Encore un corps. Ici. Ah, c'est un animal. Oh! Aïe! Mais. Ah, mais je suis un failure, moi. Je suis un pro failure. Oula. Moi, je fais des bêtises. Je vais me concentrer. Hein. Bon. Pas le loup. Ok. Il y a une genre de. C'est peut-être un pont qu'on va traverser. Je vais bien checker le sol s'il y a des pièges à ours. On va faire attention. Mince, il y a du bruit. Oh,
Oh mon dieu! Oh les gars, vous avez vu ce que j'ai vu? Oh c'est incroyable! Ah! Oh mon dieu! Oh! Oh putain non! Désolé, désolé! Là je suis fatigué encore, j'ai pas beaucoup de sommeil et quand j'ai pas beaucoup de sommeil, je suis très irritable. No going back now. Ok, aucune retraite? Fuck. Oula, franchement la créature qui est passée, elle était horrible. J'ai cru voir un gros monstre qui faisait le pont. Donc plus on récolte de choses, plus on aura de pouvoir et plus on pourra s'esquiver. Maintenant que j'ai vu la créature, franchement on va looter. Non mais le con. Oh le con, est-ce que je régène? Merci astre de lumière qui vient de me sauver. Je sais pas qui m'a mis de la vie mais ça fait plaisir. Mais pourquoi elle crie? Oh non, poupée vaudou. Alors, rite satanique, poupée vaudou, on a la totale. Et monstre qui marche en faisant le pont. Ah, je le sens pas du tout ce jeu, les gars. Ok, j'ai bien envie de courir, mais on peut pas courir. Et... je sais pas s'il y a un système de save. J'ai pas envie de recommencer de zéro. Oula. Oula, ça sent l'antre du démon, ça. Ok, je loot toujours. C'est assez spécial pour l'instant. Il va y avoir un... c'est un piège, ça? Oh. Pas de piège à ours, s'il vous plaît. Bon, attendez, je me prépare, je sens qu'il va y avoir un gros monstre, là. Oh shit, elle est là-bas, la créature. Oh shit, les mecs, elle est là-bas. Bon, attendez, je récupère encore plus de trucs. Est-ce qu'elle me voit? Not one sound. Pas un bruit, Zanji. Je suis un peu un thug life. Moi. Je crois se rapproche. Oh mon dieu. Oh, elle est horrible, mec. Il est horrible, ce créature. Oh mon dieu, se rapproche. Oh mon dieu, se rapproche. Oh putain, se rapproche. Ok, elle se casse. Tant mieux, elle se casse. Ok, il me faut des racines de mandragore. Je sais même pas ce que je ramasse, les mecs. C'est sûrement du romarin. C'est ce qu'il y avait marqué dans le grimoire, en tout cas. Rip ce jeu. Ok, il y a des loups-garous. Allez, on avance. Ok, on arrive à un campement. On a un campement. Yes. C'est pas bon signe. Le campement de Walden. Il y en a du loot ici, il y en a du cœur. Hein. Il a fait bordel. C'est la grosse fiesta. Ça a décapité des têtes, ça a arraché des yeux. Des Shinzo, des petits cœurs comme ça. Des petits intestins et un bouquin. Ces foutues sorcières ont volé les trois clés de la barricade. Elles ne doivent pas atteindre cet endroit, Moji. Ok, je pense qu'on devra trouver trois clés. Hein. Là, vous voyez, j'ai beaucoup. Ah, on a de l'aubépine et tout. Franchement, on a beaucoup de ranger. Hein. Donc, on va utiliser des ingrédients de la meilleure façon qu'il soit pour s'échapper. Par contre, cette créature, elle est horrible, les mecs. Hein. Oh mon dieu! Elle est horrible, cette créature. Ok. Oh shit. Je crois qu'elle m'a vu. Non! 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 Oh shit, on lui met à l'heure. Oh mon dieu. Le leurre, il marche, les mecs. Ce jeu est horrible. Oh là là. Oh là là. Non. Oh, il fait flipper ce monstre. Ok, je crois qu'il s'est barré. Je crois qu'il s'est barré. Je ne le vois plus. Oula! Je mets mon pouvoir d'invisibilité. Non, pas de cinématique! Pas de cinématique, s'il vous plaît, c'est pas le moment. Oh non, pas le corbeau. Pas le corbeau.
Pas le corbeau, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, là, je gaspille mon pouvoir pour rien, là. Un peu relou. Ok, je me taille. Ah! J'ai mis mon leurre, mais... Ok, la créature est buggée, elle devient invisible. Ok, la créature est buggée, en fait. Elle est où? Shit. On la voit pas. Ok, je veux juste voir un truc. Est-ce qu'elle peut me tuer si je la vois pas? Elle est où là? Là on est d'accord, on la voit pas. Allez. Allez, viens là, monstre invisible. On va envoyer le leurre ici. Et elle va venir sur moi. Ouais. Non? Je comprends pas votre jeu, les mecs. Ça part d'un bon sentiment, mais je comprends pas. Je vais manger un screamer que je ne vais pas comprendre. Ok. Il y a du bon bruit là. Il y a du bon bruit de démon. Bon, écoutez, on a une clé sur trois. Pas mal. Alors, on est déjà hors de ruines. Oula! Oula! Deux clés. Oula, les mouches, vous avez vous cassé. Vous n'avez pas commencé. Qui n'aime pas les mouches? Moi, j'aime pas les mouches déjà. Quand ça bourdonne près des oreilles comme ça, c'est écœurant. Surtout quand tu te réveilles le matin. Qu'est-ce qu'on a récupéré d'autre? Je crois qu'on a tout. Qu'est-ce que je peux loot? Allez, on va prendre ça quand même au cas où. Ok, malheureusement, le jeu était un peu buggé. Hein. Pas toujours le monstre. Hop là. Là, j'ai l'impression qu'on a un chemin. On va le suivre. Ouais. Si on a des bougies, c'est bon signe. On suit le chemin. Est-ce qu'il ressemblait à un chemin? Oh! On a un arbre! Avec des cages. Ok. Il y aura peut-être quelque chose ici, hein. Grave style en tout cas. Ok, il nous donne la direction. Et il a la clé, regardez. Yes, on a un cœur encore. On a la clé. Allez, je loot ça et on y va. Les intestins. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça dans mon inventaire? Berce de Gokaz. C'est peut-être ça, hein, j'arrive pas bien à lire dans cette police d'écriture. Ok, le piège, j'ai failli le ramasser. Yes, on a les serrures. Alors, je mets la clé. Ah, on a une autre clé. Je mets la deuxième clé. Je mets la troisième clé. Et, normalement... Yes! C'est bon. Ok. Il me poursuit pas, on y va. Ah, il y a un genre de cerf. Ouais, il y a un cerf en face. Oh shit. Oh shit, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Est-ce que c'est un cerf gentil ou c'est un cerf qui va se transformer? What? Nani? Pleine lune, ouais? Non, il va se transformer. Nani? Oh, elle a peur d'un cerf. Oula! What? Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Vraiment? À quoi sert cette scène? Expliquez-moi, je comprends pas. Bon, écoutez, ce jeu est ma foi très étrange. Allez, on avance. On continue. Oula, il est là-bas. Oh mon dieu. Oh, il est horrible. Attendez. Il m'a vu. Ok, je deviens visible. Je deviens visible. Ah, il fait peur. Il court à côté de moi. Oh mon dieu, il est horrible. En trace, en trace, en trace, en trace. Qu'est-ce que c'est? C'est une statue, ça? Oula. J'ai peur, les mecs. Ok, il a disparu. Ok, ça c'était un homme qui battait sa femme. Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, on trace. On avance. Moi, je veux pas rester ici. C'est trop dangereux. Allez, on avance. Oula, il y a un arbre maudit là.
Qu'est-ce que c'est que cette arme maudite? Ah! Ce bruit, je reconnais cette mélodie. Les gars, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Regardez ce qui est suspendu à cet arbre. On a des corps. On a 6 corps. Si c'est pas plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non, pas la boîte à musique. Oh shit. Oh shit, pas la boîte à musique, les mecs. Oh oh, bon vas-y, on arrête les conneries. Qu'est-ce qui se passe? C'est là. Non. 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 Oh putain, il est devant nous. Oh putain. Oh shit. Oh shit, on est cuit. On est cuit. Ouah, comme c'est jeté sur nous. Cours, cours pour ta vie, mec. Enfin, meuf. What? Il a récupéré la boîte à musique? On dirait même qu'il chantonne. Ouah, c'est un truc de fou. C'est une personne qui connaît la boîte à musique. C'est obligé. C'est un membre de notre famille, c'est obligé.